vous l'avez indiqué sur les réseaux, bah le baptême se fera par 70 à 90 km/h de vent. Bah ouais, on va voir si c'est possible. En tout cas, si c'est possible, ce cerf-volant que j'ai fait en hommage à Arthur Battu, le fondateur de la photographie aérienne à La Bruyère, Cocorico, c'est un inventeur de génie français. Et bien donc, ce cerf-volant, bah, je l'appellerai l'Arthur Cap. KAP, Kite Aerial Photography. Et voilà, donc c'est un nouveau site que j'ai. Quelques nœuds en vitesse. Là, on est plutôt à proche de 70 km/h que de 60, surtout en altitude. On le voit aux arbres, hein, qui bougent pas mal. Je suis revenu à un réglage un peu plus cabreur parce que dès que l'on change l'angle, qu'on met le cerf-volant un peu piqueur, on perd beaucoup en stabilité. km/h tire allez 5 à 7 kg quoi maximum, donc bon, ce qui est relativement raisonnable. 60 mètres de fil. Bon, là il n'est pas encore dans le flux du vent. Voilà, il se comporte bien pour l'instant. Comment il se comporte. Voilà, la traction varie entre 4 et 8 kg. Pour un cerf-volant de 3 mètres carrés, c'est tout à fait raisonnable. Et ouais, l'intérêt, c'est que là aujourd'hui, les conditions de vent sont très très fortes. Ce qui arrive rarement au festival, mais bon, c'est pas grave. À savoir que ce type de cerf-volant réalisé en toile, non seulement on va pouvoir mettre de pouvoir voler avec des cerf-volants de plus de 2 mètres carrés, et alors que habituellement, par des vents aussi puissants, bah, tout le monde reste à terre. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça permet d'assurer l'animation et le spectacle.